Derrière ce micro, mesdames et messieurs, vous savez, quand il s'agit de parler de la culture guinéenne, il faut faire recours aux détenteurs, aux dépositaires, aux grands génies, aux grands journalistes culturels, mais également aux promoteurs de la culture africaine de Guinée, mesdames et messieurs. Raison pour laquelle, derrière ce micro, mesdames et messieurs, je vais tenter d'appeler mon confrère journaliste, la RTG, la radio-télévision guinéenne. Il s'agit de Bangali Kondé, s'il vous plaît, Bangali. Ce soir, mesdames et messieurs, parmi nous, nous avons des journalistes talentueux, des grands caméramans, la grande maisonnée, la RTJ. Ma chef est là, il est bien ma chef. À côté d'elle, il paraît, il y a une Souma, une Keta. Je voudrais juste poser une question, Bagali. Dans cette salle, est-ce qu'il y a les Keta ici? Les Keta, levez les mains. Les Keta, levez les mains. Il n'y a pas les Keta ici? Il n'y a pas les Keta? Est-ce que vous êtes sûr de vous-même, les Keta? Levez les doigts. Les Keta. Bagali, est-ce que les Keta peuvent s'exprimer devant les Bamboura? Je ne crois pas. Les Keta est des champions d'hier, pas aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui te fait non. Vous savez, les Keta se glorifient souvent à travers le sujet de Keta. Je sais l'histoire, on parle de l'histoire. Non, ce n'est pas l'histoire. Mais ça, c'est un début, hein? Oui. On dit toujours Keta, Mandemansa. Vous savez, c'est par le nom. Voilà. Alors, les Keta, on fait ça pour vous-même, les Keta. Voilà. Juste une flatterie. Il y a Lenette ici, ma chef Lenette. Vous savez, quand vous partez à la RTG, si tu sais bien que tu n'as pas vraiment. Hein? Voilà, c'est la seule personne qui peut gérer la chose. Voilà. Mais elle est venue avec une fille qui est Keta. Donc la Keta me dit quelque part, c'est la voleur, quoi. Oh ah, pas du tout. Ah pas du tout. Pas du tout. Mais en gros, on m'a dit Keta. Keta. Keta.
Keta. Ah oui, Keta. Mais Keta. Est-ce que le passé ne nous appartient pas? C'est-à-dire, ah. Keta, l'héritage. L'héritage de qui? L'héritage de celui qui a gagné. Le grand héritage, ce qu'on appelle Keta. Bien. Keta Massaré. Bien. Voilà. Mon cher ami, nous allons parler d'une grande dame ce soir. Ok. Cette dame, vous aurez l'opportunité de la présenter. Et moi, je vais essayer de parler un peu de la descendance d'Herbiati. Je ne suis pas guéri, mais je suis en train de juste magnifier la place et l'importance d'Herbiati dans la société malgaine ou bien dans la société africaine. Et quand il s'agit de parler de la descendance d'Herbiati, mesdames et messieurs qui sont des invités, nous sommes condamnés de parler de cette grande personnalité, de ce personnage qui, pour la première fois, était dictateur, dépositaire, la première personnalité vraiment à utiliser un instrument sacré, aujourd'hui 800 ans, reconnu par l'UNESCO comme le patrimoine. On l'appelle ce soir-là. Il s'agit de Bala Fasséke Piati. Et qui parle de Manin, parle forcément de Piati. Et aujourd'hui, nous sommes en train de magnifier une fierté qui est en train de faire la fierté de la musique africaine de Guinée. Une fierté qui est en train de faire la grande promotion qui s'exprime à travers l'Afrique parce qu'elle maîtrise souvent ce qu'on appelle l'histoire du Mandingue, l'histoire de fierté, l'histoire de la musique africaine de Guinée. Je vais parler de la culture. Mesdames et messieurs, Bangali Kondé va nous parler un peu de cet artiste, de cette motrice de la musique guinéenne, de la culture guinéenne. Il s'agit de Li Kouyaté. Kondé, moi je ne connais pas Li Kouyaté. Li Kouyaté de façon physique, je la vois souvent, je l'ai souvent présenté. Mais c'est qui Li Kouyaté? Voilà, merci à Koubassa, merci à tout le monde, merci au public qui a fait le déplacement ce soir. Et mon confrère Ousmane Koubassa, avant d'abord de parler de Li Kouyaté qui nous réunit ce soir, nous allons donner en quelques mots le sens du soumou. Bien. C'est quoi le soumou? Où est né le soumou? Et pourquoi le soumou? Vous savez, dans le Malien médiéval, oui. Le roi était toujours seul. Oui. Le roi était toujours seul. Le roi était toujours seul et il fallait ses griots pour venir faire des causeries chez lui. Cette retrouvaille, c'est elle qu'on appelait soumou. C'est-à-dire, chaque 2 mois par exemple, chaque 3 semaines, oui. Les gens se déplaçaient pour venir dire bonsoir au roi. Et on le disait à Maléke, oui. Agniwa, Kawana Mansa Soumou. C'est là le sens du Soumou. Bien. Au fil des ans, nous ne sommes plus dans la royauté. Oui. Il fallait que les propriétaires, c'est-à-dire les personnes qu'on appelle à Maléke, les Kéti, soit magnifié. Bien. Donc, c'est que dit aujourd'hui, au lieu que les griots partent, le roi, les griots essaient aujourd'hui de réunir les critiques pour les parler de l'histoire du Malien médiéval. Pour leur parler de certaines histoires. Pour leur parler de ce qui a été fait par les lions, par les rois, oui. Dans les temps. Bien. C'est ça le sens du soumou. Bien. Alors, ce que je veux dire,
Oui. Dans cette salle ce soir, mm-hmm. c'est le roi bien. Et les reines, mm. les princes mm. et les princesses mm. qui sont dans cette salle. Bien. Si c'est ça une réalité, applaudissez pour vous, mesdames et messieurs. Collé. Donc, je vois les très belles dames en face de moi. Ah oui, on aura le temps de parler de toutes ces personnalités. Allez-y. Tous ceux qui ont fait le déplacement. Oui. Pour revenir maintenant à ta question, il s'agit de me parler de Libyaté. Qui est Libyaté? Oui. Libyaté est d'une descendante artistique griotique, il faut le dire ainsi. Mm-hmm. Et le Libyaté, c'est dans le sang. Oui. Parce qu'il est dit à Maneke, Odjeliba Libyaté, bon. Les gens comprennent le sens de ce mot. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Oui. Mais Libyaté est originaire de Dialaboro dans Mangana. Dialaboro, c'est là où il est né. Est-ce que c'est pas dans une sous-préfecture? C'est une sous-préfecture. Bien. Dialaboro est une sous-préfecture à une centaine de kilomètres de Mangana, mais seulement à 25 kilomètres de Sigiri. Alors, c'est cette ligne qui est là. Oui. Mais elle est partagée entre Dialaboro et Kerouané. Pourquoi Kerouané? Comment? Le papa de Libyaté, qu'on appelle Maman Libyaté, oui. était installé en Côte d'Ivoire. Oui. Et il a aimé son village, il est revenu au village. Mm-hmm. Après le décès de son papa, oui. la famille a déménagé à Kerouané chez moi. Excellent. C'est ça notre lien. Mm-hmm. Je suis lié à Libyaté de par son mari. Oh. Le grand monsieur qu'on appelle ça. Saranaï, bien. Saranaï Kanté est le mari de Libyaté. Bien. Mais il faut dire, et pour être précis, un grand distance. Cette dame qui va prêcher ce soir, oui. elle a commencé la musique depuis 12 ans. Mmh. Depuis quand elle avait 12 ans. Aujourd'hui, oui. elle est en train de faire la fierté de la musique de la musique africaine de Guinée. Oui. Donc, tout ce public qui a fait le déplacement ce soir, viennent suivre, écouter de près, avec oui. attention, cette brave dame qui est en train d'être soutenue, non seulement par les deux communautés, oui. mais aussi par son mari, qui a dit le nom de Sarah Laïaï Kanté, qui est le Kérouanais, un grand italien, précisément de Chauvoir, dans la grande sous-préfecture, c'est la plus grande sous-préfecture de la Guinée, wow. qu'on appelle Komodou. Si vous êtes, si vous aimez trop Komodou, applaudissez s'il vous plaît. Attendez, Kondé. Oui. Quels sont ceux qui viennent de Kérouané? Levez la main s'il vous plaît. Ceux qui viennent de Kérouané, levez la main s'il vous plaît. Ceux qui viennent de Sigiri. Merci le caméraman, merci à toi. Bien. Voilà. Je vous rappelle quelque part oui. que la solennisation qui assure ce grand événement culturel. Le nom est très simple à dire. Non, c'est un solo facile. C'est un solo de qualité. C'est un solo de qualité. C'est Kakade Production. Oui. Géré par M. Doumbouya. Okay. S'il vous plaît. M. Doumbouya a fait un bruit pour nous. Il fera tout de suite un petit bruit. D'ici là. Je vais passer. M. Kone. Oui. J'anticipe les choses. Je vais participer. Aujourd'hui, oui. nous sommes 21 décembre 2019. 10 jours nous séparent de 2020. Moi je profite et dans ce petit micro participation pour dire bonne heureuse année à tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui. Et il faut aussi la famille. Il faut aussi signaler oui. qu'il y a un grand événement qui pointe à l'horizon. Oui. Ça sera l'enregistrement. Ça sera Miss FDG oui. qui est prévu le 26 décembre. Mm-hmm. Et je pense que. Nanette, qui est de la section culturelle, oui, Kézira, Bouba Kamara, le tout chapeauté par la grande Aya Gawara, je pense que c'est le plus grand événement de la FTG. Ça sera une occasion aussi oui. de magnifier, de certifier oui. et de récompenser les travailleurs, les meilleurs travailleurs oui. de la FTG. La grande déjeuner. Bien, je sais bien que parmi ces personnalités, Nanette fait la partie. Parce que moi, oui. elle est très compréhensible. Entre deux,
c'est cette garde-là qui s'est accueillie, quoi. Même si tu as 10 millions dans ta poche, là, dès que tu vois le visage de Nanette, ça va plus vite. Elle la chanteuse Liberté. Je vous dis bien, mesdames et messieurs, un bon artiste, un bon chanteur ou chanteuse, sa qualité est retrouvée lorsque autour d'elle ou autour de lui, il y a de bons musiciens. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons vous présenter le musicien qui accompagne Liberté à la guitare solo. Vous avez Salaï, mesdames et messieurs. Merci mon grand. Merci mon grand.